Hey girls, welcome back. Aujourd'hui, je suis là pour vous faire un crash test avec les produits sérums de chez Action. Je vous ai fait une vidéo et on va voir ça ensemble direct en live. Je vous donnerai mon avis immédiat. Comme je sais pas trop comment ils sont, parce qu'il y en a un que j'ai essayé, franchement, je suis pas totalement fan, mais je donnerai mon verdict. Si vous aimez cette vidéo et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à commenter, de liker et de partager. So, c'est parti. Let's do it. Ma peau est nettoyée, etc. Donc là, vous pouvez le constater. Je vais commencer avec l'acide hyaluronique. Donc il est très petit. Je crois qu'il m'a coûté 1 €, même pas, je sais plus. Il n'y a pas d'odeur. Hop. Et je vais l'appliquer. Alors, la sensation. Non, ça va. Hein, c'est correct. C'est comme ceux des acides hyaluroniques que j'ai déjà testé auparavant. Ça colle tout le temps, donc ça me paraît normal, hein, honnêtement. Donc ça, franchement, ouais, ça va. Ça, je valide. Parce que c'est la même chose, il n'y a pas d'odeur. Ouais. Ouais, non, ça j'aime bien. Franchement, celui-là, il est top. En plus, il a un côté un peu frais. Parce que quand je l'ai appliqué, j'ai tout de suite senti une sensation de fraîcheur, en fait. Et non, franchement, ça, je valide. Et c'est sûr que je vais l'utiliser à 100%. Le deuxième, c'est celui à la vitamine C. C'est le super booster. Celui-là, ça sent trop le parfum. Normalement, les sérums à la vitamine C ne doivent pas sentir du parfum. En tout cas, moi, ce que j'ai déjà utilisé, ça ne sent absolument pas le parfum. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé des sérums à la vitamine C avec une odeur parfumée. Franchement, faites-moi savoir en commentaire parce que je suis un peu surprise. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà. Bon, allez, je vais l'essayer aussi. La texture, je vous cache pas que ça me plaît pas. J'aime pas du tout cette texture... lacté, non, c'est pas trop, je sais pas, je suis pas trop fan. Alors, en plus, pour le produit, c'est assez difficile à l'avoir, je trouve. Vous voyez, hop, faut vraiment, ouais, faut un peu galérer, quoi. Or que normalement, ça doit être hyper fluide. Le produit, enfin, le sérum doit sortir directement de la pipette, mais là, vous voyez, ça, non, j'aime pas du tout. J'aime pas comment ça fait. Non, ça me plaît pas. Je trouve que c'est, non, ça me plaît pas. So, on y va. Ouais, bon. C'est très, très parfumé. Moi, ça me dérange, en fait. Personnellement, les sérums, ça dépend des sérums, mais la sérum, enfin, moi, tous les sérums que j'ai testés, je vous cache, enfin, donc, je l'ai dit tout à l'heure. Mais, ouais, c'est pas, je sais pas. J'ai pas l'habitude, en fait, de les, j'ai pas l'habitude que ça sente aussi bon. Bon. Ok. Au niveau de la texture, c'est pas mal. Je sais pas, vous voyez bien, parce que là, c'est un peu flou, j'espère. Ouais. Ok. Ok. Bon, en tout cas, il pénètre bien. Et... ouais, ça va. Ça colle pas et tout, mais ça sent trop parfum en fait. Ça me dérange vraiment. Vraiment, ça me dérange. Et le dernier, c'est le sérum à la niacinamide. C'est à peu près la même chose que le sérum à la vitamine C. C'est la même odeur, c'est trop bizarre. C'est la même odeur. C'est chelou, je trouve. Donc là aussi, au niveau de l'application, j'aime pas. Parce que. Ouais, c'est lacté aussi. J'aime pas du tout. J'aime pas quand c'est comme ça, je sais pas, ça fait bizarre. Vous voyez? Hop. Voilà comment c'est. Je vous montre ici. Ok, super. Voilà. Non, là, ça sent pas, mais. Je sais pas. Je suis pas vraiment emballée en fait. Si, c'est un peu parfumé. C'est un peu parfumé, mais vraiment vite fait, quoi. C'est assez léger, mais c'est un peu parfumé. Ouais. Je vous ai donné mon avis final sur les sérums de chez Action. Il n'y en a que un qui sort du lot, c'est celui à l'acide hyaluronique. Hein. Pour moi, au top, vraiment. Mais les deux autres, selon moi,
Non, pas du tout. Texture, odeur, parfumée, tout ça, c'est pas mon kiff. Et en tout cas, moi, je ne les rachèterai pas. Mais dites-moi quand même en commentaire si vous les avez déjà testés, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous préférez les sérums parfumés ou pas. En tout cas, je veux tout savoir. Cette vidéo est terminée. Et j'espère que ceci vous aura plu. J'espère que ce crash test assez rapide vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, de liker et de partager. Et on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao.